Hello tout le monde, comment ça va? J'espère que ça va bien. Alors je vous retrouve pour continuer Visage sous l'approbation générale de tout le monde en MP qui me dit que le jeu est trop bien et que c'est trop drôle comment que tu flippes dessus. Donc je me dis, oups, excusez-moi, j'ai mon retour de stream. Donc on va le reprendre dans la joie et la bonne humeur. Mais il m'a fallu quand même 2-3 jours de House Flipper, de Stardew Valley pour un peu recentrer mes chakras et pouvoir reprendre en toute sérénité. Donc on va reprendre Visage. Visage, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'horreur, bien sûr. Un jeu d'horreur qui fait peur parce qu'il est extrêmement réussi, tout simplement. Alors il se divise en plusieurs chapitres. Et il y en a 3 ou 4, je ne sais plus exactement. Et voilà, on va justement évoluer à travers eux. On va à chaque fois se faire raconter une histoire. Donc, on a fait le premier chapitre qui était le chapitre de Lucie, une petite fille qui avait une histoire un petit peu similaire à Mister Babadook, pour ceux qui ont vu le film. Complètement ça, le monstre du placard. La petite fille, elle devient amie avec lui. Et il se passe des trucs après, pas très jojo, quoi. Vous voyez le genre. Genre les grosses sorcistes, genre des trucs sont que. Qui finissent pas très bien généralement. Sais pas si mon Pampou est là, le Dark Pampa qui a ses nouveaux émotes. Alors. Oh! Mais non, mais j'avais fini le chapitre. Pourquoi est-ce que vous. Oh non, j'avais fini, ça a pas sauvegardé? Oh non. Ah si, si ça a sauvegardé. Donc voilà. J'ai eu peur. Parce qu'il y a une scène à la fin de ce chapitre où on est quand même face au démon et je suis obligée de le prendre en photo là pour qu'il dégage. Tu dégages, hein? Chouchou, hein. Je traite comme si c'était un chien. Donc voilà. Donc chapitre de Lucie, on a retrouvé sa mâchoire magnifique avec des jolies dents de lait. Et du coup, il nous en manque encore deux et après, ça doit débloquer un quatrième truc, j'ai l'impression. Ça va, Pampa? Ça fait plaisir. Ça fait le plaisir. Qu'est-ce que j'aime ce jeu. Par contre, je n'ai plus de briquet, je suis à Walp. À Walp dans la baraque, ça fait peur. Non, en vrai, ça fait très peur. Oula, le son, je vais mourir. Bon, si vous me voyez faire un AVC pendant le jeu, c'est normal. Ah, les sons! Vous me dites si vous entendez d'ailleurs le son du jeu. Bientôt le week-end qui va passer trop vite. C'est tellement vrai. Mais les sons vont me tuer. Ils vont tuer ma personne. Est-ce que vous avez bien le son du jeu? Parce que comme j'ai, encore une fois, ce problème incroyable, qui est d'avoir deux entrées qui ont le même nom pour mon audio, ça fait des bizarreries. Coucou Wonderfame, oh, c'est gentil de passer. Mais écoute, je suis, tu vois, toujours en pleine exploration. Alors là, je crois, hein. Ah, il faut faire un truc. Ouvrir inventaire. J'ai rien, moi. Oh non, moi, la vie a été dure avec moi. Il faut que je trouve des objets pour lancer un nouveau chapitre, je crois. Bonjour. Ah, c'est un escalier. Okay. Normalement, tu dois pouvoir les renommer quelque part pour t'aider. Il faudra que je pense à ça. Mais tu as le son du coup, Pampa? Tu entends là mes lourds pas sur le plancher qui grincent? Moi, je les entends bien. Hein. What? C'était ouvert? Ah non. Ça, c'est. J'ai toujours pas trouvé la clé ici. Ouais, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une canette. Ok. What? C'est quoi ces frayeurs? Vous entendez le son? Vous avez pas le son? Ah, non, parce que là, il y a eu un comme ça, tout à fait dramatique, et c'est ce qui m'a fait me retourner d'un coup. J'ai fait ah! En fait, non, il n'y avait rien. Tu vas me dire si c'est mieux. Ah, est-ce que tu entends mon flash? Mon magnifique flash. Ah mais le son, c'est l'enfer. Ah c'est bon le son. Ah, oui. Que vous souffriez avec moi, hein, quand même. Un petit peu. Ah! Ah! Pourquoi ça se ferme alors que j'ai juste pris une photo? Ah. Photo, photo! Pourquoi ça marche plus les photos? Pourquoi ça marche plus? Au secours! Je clique like a crazy person. Ah, merci, c'est revenu. C'est pas ouvert? Ah si, c'est ouvert. Au secours? Pourquoi est-ce que c'était fermé? On peut savoir?
C'est quoi ce son? À ce stade, des comprimés vous aideront, mais tu crois que j'ai des comprimés partout, madame? J'ai rien, moi. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une clé? Ça sent pas bon, ça. Une clé avec le symbole Oméga attaché dessus. Chut. Il joue avec moi. Il éteint la lumière, il est dans la lune. Là. Ah! Ça va pas? Oh! C'est pas gentil! Mais c'est pas très gentil! Votre perte est inévitable, inévitable toi-même! Parce que j'ai ramassé une canette, il est pas content. Mais c'est quoi cette agression? Oh! Incroyable! Je pavanais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à Babadook. Et ça a été compliqué. Bon, on reprend. Désolé, il m'a fait peur. C'est un peu des screamers quand même, quand ils apparaissent, les méchants. Donc le chapitre 1, c'était un autre méchant, pour ceux que ça intéresse, qui n'était pas là au premier chapitre. Et là, du coup, on est dans le chapitre de ce monsieur... Je suis désolée de déterminer votre identité de genre. Donc vous êtes là-dedans, je vais pas aller par là. Oh, arrête. Ah, c'est ça, c'est la canne. C'est toi la canne qu'il faut que je prenne. Oui, je te prends. Voilà, maintenant je vais mourir. Chapitre de Rakan, les yeux omniscients, d'accord. Au secours. Non. J'entends la radio. Arrête. Regarde, je ferme. Hein. Chut. Reste là. Je vérifie qu'il n'y a personne dans la douche. Hein. Voilà, je reste là. Et puis on se retrouve plus tard. Mais qu'est-ce que je fais? Non! Au secours! Non! Mais personne ne fait ça, monsieur! Mais c'est pas gentil! Au secours! Comment je fais pour partir? Oh, lumière! Non! La lumière! Je vois rien, je vois même pas comment ouvrir la porte. Au secours! Lumière! Ah, il n'aime pas la lumière, le monsieur. Interagir? What? Ah oui. Ah, lumière. Venez pas, monsieur. Je prends des photos de vous. Ah! Non! Quoi? Quoi? Pourquoi je deviens en sépia là? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Interagis? What? Calme-toi. Hein. Là j'inter. Hein? Au secours! Un filtre Photoshop a pris possession de mes yeux. Au secours. Attends. Je me déplace en photo vraiment. Oh, premier jeu. Tony Hawk. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Coucou Red Army, ça va? Oula. Va faire ça, monsieur! Ah! Moi aussi, je souffre, mais pas pour les mêmes raisons. Ma rétine! Bon, en tout cas, ma santé mentale, tranquille. Ça va, Tarfine aussi? Ah, chapitre 2, on l'attendait. Oh là là. Mais tout à l'heure, il m'a agressé dans cette pièce. Je suis où? Where am I? What the heck? What the freaky heck? What? What? I'm not myself. Je crois que je suis une femme. Ah, bonjour. Au secours. Je peux entrer? Bonjour, monsieur. Ah non, je peux pas rentrer. Bon, je vais ouvrir les portes en espérant que vous me remarquiez. Bonjour. Monsieur? À l'aide, hein. Vous me voyez pas? Monsieur? Hello? Chérie? Ah! Ben voilà, direct. Il avait oublié d'acheter du lait. Il est parti. Il avait honte. C'est fermé. J'ai mes... Non, j'ai rien du tout sur moi.
Je suis dans un flashback. Alors, qu'est-ce que tu regardais, chérie? C'est pas. C'est pas. C'est la même maison. Oh là. Bonjour. Mange des Kellogg's. Je sais pas. C'est vrai que la radio, elle est un peu bizarre. Calme-toi. What the fuck is this? Un micro? Oh, it better not be what I think it is. Un petit délire paranoïaque? What is this? Who the Bonjour? fuck are you? What the heck? What the heck? La radio? Non, on peut rien faire. What the what? Et là, cette porte qu'on n'arrive toujours pas à ouvrir, hein? What? C'était quoi là dans mes yeux? Ça fait peur? Quoi? Et pourquoi il y a une chaise là comme ça ici? C'est très très. On dirait qu'il va se. Calme-toi, monsieur! Viens, on va prendre un Danone! There you are, little piece of crap! Ah, un autre micro. You think you can get me that easily, huh? Nice try, you fucks! What the fuck do you want, huh? I'm right here! Fucks. What? What? Ça, c'est un flingue, monsieur, c'est pas bien, hein. D'accord, donc apparemment, le mec, il a soit un délire paranoïaque, soit il a trouvé des. What? Ça clip un peu. Soit il a trouvé des micros dans sa maison, ce que je comprends. Mais non, c'est très très noir. Ça fait peur. On va aller par là. Faut aller par là. Monsieur? Ah! Ah! Don't you fucking move, I swear to God! Mais je promis, hein, je bouge Stop pas. Right there. Je bouge pas, regarde. Hey! Merde. Bon, je répare, c'est de Lupin tout de suite. Mais ça fait bobo Ah non, c'est lui. C'est celui qui m'a attaqué. Il est tout plein d'huile. D'accord. Ok. Il se passe des choses. Donc soit il y a une expérience bizarre ici. On peut s'en aller. Oh non, encore la radio de l'enfer. Quoi? Chut, tais-toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec les bouteilles? Oh aïe aïe. Ah, calme-toi, hein. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ouais, non? Quoi? Au secours? On va prendre des photos, hein. Ça s'est arrêté? Non. Quoi? 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 Non, mais j'ai pas envie d'interagir avec cette chose, hein. Tu peux arrêter, tu vas casser ma porte. Ah! Photo, hein. Ça va le son d'ailleurs, Pampa, tu me dis si c'est pas trop fort. Oh là là, il se passe des choses. Ça, c'est pas l'œuvre du gouvernement. Monsieur Rakan. Rakan le rouge. On rigole. On rigole bien, monsieur. Vous êtes où? À part faire peur aux gens. Ah. Quoi, quoi, quoi? Mais il me claque la porte dans le cul, hein! Tu arrêtes, hein! Je sais pas, j'ai en haut, hein, prends la peine, tu m'as saoulé, hein! Tout est éteint en haut, c'est l'enfer! C'est quoi cette. Oh non, j'entends un truc! Arrête, hein! Pourquoi j'entends de la musique? Photo, hein! Regarde-moi ce bordel! J'ai plus de pilules. Nos pilules. Nos pilules. Bon là c'est plutôt un poltergeist qui a l'air d'ouvrir toutes les portes. Hein. C'est. Heureusement que j'ai joué à Phasmophobia. Quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Un placard. Et coucou Alicia, ça va Pampa, le son est pas trop fort? Moi j'ai juste me le baisser un peu. Les oreilles, je suis en train de mourir. Mais vous, s'il est trop fort, dites-le moi. Hein. J'ai pas envie de crier non plus. D'accord. Ça pue du. Ça pue du. Hein. Au secours.
Au secours! Quoi? Tu arrêtes, hein, monsieur. Je serai sans peur et sans reproche. Il me claque cette porte dans le cul à chaque fois. Qu'est-ce que... Pourquoi? Qu'est-ce que... Pourquoi, hein? J'ai une cassette sur moi. Je crois que je l'avais utilisée au dernier chapitre. Attends, peut-être pas. Attendez. On va le remettre. Tu arrêtes le fantôme, regarde. On regarde un film, hein? Regarde, c'est beau, hein? Ouais, ça calme le fantôme, regardez comme ça le calme. C'est quoi d'ailleurs la pièce avec un oméga dessus? Je sais pas ce que c'est. Continue de tourner la vidéo là, tu le distrais. Oh là là. Oh, quelle bonne idée d'aller dans le sous-sol. Tu aimes la mort? Il n'y a pas des interrupteurs dans cette vie? Ah si, là. Ah si, c'est ouvert. Ça va. Il y a du courant. Il y a du courant. Oh là là. J'essaie de repérer un interrupteur. Oh là là. C'est quoi ici? Au secours. Oh mon dieu. Non, mais j'ai... Non, j'ai peur. Non, non, on remonte. Aïe, aïe, aïe. Plus ma santé mentale est au plus bas. Donc je vais voir plein de trucs paranormaux qui ne sont pas vrais. Tiens, Pico, on prend la photo. Il a arrêté avec mon réfrigérateur, là, c'est bon. Je peux partir. Oh, je peux partir. Ah non, c'est juste le volet. Interagir. Ah non, c'est juste le volet. Je vais m'amuser avec le volet. Donc il y a juste... C'est l'apocalypse derrière moi. Ouais, ferme-toi. Arrête, hein! J'ai les interrupteurs. On peut pas casser la fenêtre pour partir. J'aimerais tellement! Même à quitte à me casser une jambe ou deux, là, franchement, c'est pas grave. Attendez, j'ai une nouvelle clé, je crois, avec le symbole Oméga dessus. C'est toi? Is it you? Utiliser objet clé, oui. Non, ils veulent pas. Ça non plus. Ok, ok. J'allume tout, hein. J'allume tout, tout, tout. Au moins, je saurais être placé. Je saurais où est le fantôme. J'allume. Tout qui est ouvert, alors qu'à tout à l'heure, c'était pas ouvert! C'est... Pourquoi une tasse ici? Pourquoi une tasse placée là? C'est trop bizarre. Cette musique du stress de l'infini là. Quoi? Bonjour. Une feuille avec un smiley. On dirait... Ah non, c'est pas un smiley du tout. Berk. C'est une porcherie? Non. Clé du garage, mais je l'ai ça. Clé du garage, boum. Attends, t'as cru quoi? Ah. Oh, des pilules. Ma salvation. Merci. Non. Non, la lumière. Mais il fait noir comme un... Putain, c'est pas... C'est horrible. Au secours. Je vais me cacher ici, hein. Oh, c'est la
Prends une petite pilule. Ça fait peur. Ça fait peur. Stop, hein. Mais oh. Tu arrêtes, hein, fantôme. C'est bon, je suis revenue à une santé mentale normale. Par contre, remettez-moi des pilules, quoi. J'ai tout bouffé dans le premier quart d'heure, hein, je crois. J'en aurai zéro pour le dernier chapitre. Le mode hardcore. Le mode hardcore. Sacré bordel dans la maison. C'est un truc de ouf. J'aurais honte à la place du fantôme. Mais. Ah. On fait toujours tester deux fois. Secours. Ah. Non. Secours. Hein. Laisse la lumière. Ah. Oh, ça a éteint là. Oh non, ça a éteint à côté. Oh non. Et ici, ça pue du cul. Hein. Y a pas d'interrupteur ici? Ici. Oh ah non, 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 interrupteur. Tu arrêtes, hein. Ah, il est taquin, hein. Il y a rien à faire, ok. Arrête, hein. Photo, hein. Ah. Une belle boîte, d'accord. Une petite clé avec un miroir attaché, mais c'est pas ça, t'es sûr? Non. Je veux pas de lumière. Mais oui, je sais. C'est pour ça que j'en mets partout, pour l'embêter. Comme dans Phasmophobia. Quoi? Pourquoi tu marches pas? Mais c'est pas vrai, c'est l'interrupteur qui marche pas. Ah, voilà. Attends. J'allume tout. J'allume tout. J'en ai rien à fiche. Tu arrêtes. Chut. Rien. On aime tout. Voilà, tu es ridicule. Regarde, j'allume tout, 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 tout. Toute la maison, j'avais allumé. Non, mais non. Toute la maison, j'ai allumé. J'en ai rien à foutre. C'est pas Versailles ici, tu vas voir. J'allume tout. Y'en a marre. Y'en a marre de se faire bolosséder. Oh non. Oh non. Ça c'était fermé aussi avant. Ah c'est plus fermé. Super. Ah! Il a fermé derrière moi. Mais s'il vous plaît, je veux juste prendre une douche. Mais monsieur, c'est fermé. Ah non. Stop, hein! Stop le bullying! C'est quoi ces manières? Incroyable. Oh, ça m'a fait peur. Oh! Ah! Bonjour l'œil! Ça va? Interagir? Oui, c'est ça. Et on lui met dans l'œil. Tiens! On veut te pique! Ah, il y a un autre œil là. Bonjour. Ah, je l'ai piqué dans l'œil, c'est bon, je peux rentrer. Yeah. Bonjour. Ah, encore un fauteuil roulant. Ben, je vais me rasseoir. Il prend son bain, tu ouvres la porte de la salle de bain, on le dérange. Oui, mais quand même, un peu plus de calme et de sérénité dans cette maison. On en a tous besoin. Je suis juste assise dans un fauteuil roulant, monsieur. J'ai pris une béquille et depuis, c'est l'enfer. Quoi? Non, tout est éteint. Moi, j'ai allumé toute la maison, monsieur. Oh là là. Non, c'est plus éteint. Bonjour. Ah, mais on le connaît, lui. C'était celui qui était fou. Enfin, paranoïaque. Bonjour.
fait un peu peur. Ça me fait un peu peur. Dr. Smith? Dr. Smith? Yes. Sorry, oui? I'm with you. Pardon? I have the information you requested concerning the patient that came in tonight. He claims that someone broke into his house and tried to strangle him, and that he used his firearm in an attempt to defend himself. What's weird is that there's nothing in the police report that indicates any break-in. There are some minor bruises on his body, but they all seem self-inflicted. D'accord, donc j'ai été récupéré à part avoir été attaqué par un truc que personne n'a vu. Claims to have seen him tossing books from his bookshelves frantically, seemingly searching for something. And what was he searching for? J'essaie d'écouter. He refuses to answer most of our questions, claiming we already know the answers. J'avoue, Radar. He believes we're partly responsible for what happened. It's not really surprising. I took a look at his medical background. He's had really bad cases of scopophobia. Exactly. Scopophobia. Thanks, Tim. I'll go and see him right away. Of course. He'll be in the transit wing, room 323, until further notice. He seems agitated, so be careful. Thanks. La lumière blanche qui éblouit. Ah, bonjour. Me voilà. Ça va? Je suis à l'hôpital. Oh, trop bien. On a un nouveau décor, on n'est plus dans la maison. Enfin, tant mieux, hein, parce que la maison... Limite, maintenant, je saurais la reconnaître dans un film, tellement je me suis baladée dedans. Bonjour. Ah, bah, je vais vraiment jouer à l'hôpital. D'accord. Berk? Ah, mais c'est tout cracra. Bonjour, on peut voir les taux de patients? Hey, hey, ça va toi? Ah, y'a personne. On peut voler des médicaments? Non. D'accord. D'accord, d'accord. Bon, tu me diras, c'est un peu flippant les hôpitaux. Hein. J'ai rien sur moi en plus. Ah, y'a ma poêle? Oui. En serviette de bain, hein, limite. Y'a pas d'interrupteur? Interruption. Non. Non. Voilà. J'entends le vent. Mais je ne parle pas le vent. Non, c'est fermé. Call to employees. Code white in room 323. Code white in room 323. Un code de blanc. Dans la 323. Ok. 323. Bon, il y a marqué exit. Is it the exit? Exit. What? Ça fait peur! Donc soit on va à la room qu'ils nous ont dit, soit on va à l'ascenseur, soit on va à la sortie. J'ai envie de faire tout ça à la fois. Ça ne semble pas fonctionner. Tiens, tiens, tiens. Il y a marqué quoi? Le poids limite a été dépassé. Oh, si je pars là. Genre pas du tout dans la bonne direction. C'est tout crado. Ça c'est là d'où je viens. Bon. Il y a un petit peu une seule direction finalement. Ok. Bonjour. Pas moyen de l'ouvrir, pas moyen de l'ouvrir. Pas moyen de l'ouvrir. Non. Allô? Allô? Non, je vois rien. Y'a quelqu'un? Secours? Est-ce que je dois vraiment aller là-dedans? On dirait, pour ceux qui l'ont vu, Us, de Jordan Peele, avec les... Comment ils les appellent? Ceux qui vivent en bas, là, nos clones, là. Ça ressemble grave, je sais pas pourquoi c'est cette vibe de Us. En fait, pour ceux qui l'ont pas vu, il est très sympa d'ailleurs. C'est imaginer un jour votre clone, mais votre clone parfait, revient, et vous prend votre vie, quoi. Et en fait, ce film... C'est le clone de tout le monde remonte à la surface et décide de prendre la vie de l'autre. Ah! Chut! Et ça fait peur. Et j'ai cette vibe de ouf de là où ils vivent avec les lapins. Coucou Sultitus! Tu vas bien? Ça fait longtemps. Oh. Ça me donne des vibes de Viscera Kingdom Details. C'est autre chose.
J'ai jamais vu un film de clone avec Schwarzenegger. Ah ouais, non, Us, c'est récent. Il est très très sympa avec, avec Lupita, je sais plus comment, celle qui joue aussi dans Dark Panther. Et le mec aussi, je crois, joue dans Dark Panther. Il faut que j'aille là, vous êtes sérieux, mais je vois rien. Prendre. C'est verrouillé. Ouais, mais je... Au secours. D'accord. Et bah, ça va être très sympa si vous voulez le regarder. Quoi? Quoi? J'entends des bruits, au secours. C'est pas de santé mentale. Donc pour le coup, ça c'est cool. Je peux être aussi folle que je veux. Faut que je me reste là. Non. Quoi? Ah, c'est ma partie. Moi, je prends ça pour me défendre au moins. Ah bonjour, j'avais pas vu que c'était ouvert, excusez-moi. Bonjour. Ça clignotait. Oh, une clé. Chambre 323. Hein. Super. Call to security. Code white. Emergency in room 323. Oui, 323, j'ai compris. Non, ça a l'air d'être par là. Don't you dare touch me, you fuck! Quoi, arrêtez hein. Seize him and give him the sedative. No! Get off me! Fuck! Oh! C'est reparti. C'est en fait. Alors, moi je vais là, et là je referme, et puis on voilà, vous me laissez là hein. Ne vous inquiétez pas. Ah, pourquoi la porte est là? What? Attends, 323, c'est 323 que Madame voulait dire. Oui, tout à fait. En anglais, en fait, ils ont une tendance à dire comme ça, ou quand il s'agit d'années, ils vont te dire, par exemple, 2021, ils vont te dire 2021. C'est plus facile à comprendre, même pour eux, ils préfèrent découper par deux, en fait. C'est mieux. C'est quand même plus clair que de dire 2021. Enfin, là, ils disent 2021, hop. Et même parfois maintenant ils disent que le dernier dit juste in 21 par exemple. Pour y prendre avec un bon outil. Un bon outil. Un ouvrier doit avoir de bons outils. Mm-hmm. C'est bien, on apprend des choses sur ces streams. J'aime ça. Non, j'aime bien l'anglais en plus, donc si en plus on peut apprendre des trucs, c'est cool. Ouais, casser le mur, oui, exactement. Finalement, vous voyez, on fait toujours un petit peu de House Flipper. Bonjour. Ça tape sur une porte. Calmez-vous, hein. C'est l'argent de l'État, hein, monsieur, tout ça. Hein. Ah, super. What? Non, par exemple. C'est quoi ce bruit? Ça vient d'où? What? Là? Attends, toi tu m'énerves. C'est verrouillé! Scientific word. J'ai vu d'outils. Je suis peut-être complètement bigleuse, hein, vous avez le droit de le dire. Hein. Vous voyez une... Je sais pas, un outil qui peut nous servir. C'est glauque. Non. Veuillez ne pas faire ça, s'il vous plaît, pour ma santé mentale IRL. Bonjour. Mais bien sûr. Est-ce
Et ça pleure, bien sûr. Bah on y va, hein. Bah allez, hein, c'est pour vous les développeurs. Oh. Bonjour. Faut pas pleurer, madame. Ça arrive à tout le monde. Vous inquiétez pas, hein. Vous êtes pas la seule dans, dans ce cas-là. Hein. Ah, c'est tout cassé par contre. Oh, un outil. Merci, madame. Ça va aider à agrandir le trou de la chambre 323. Très bien. J'ai eu très très peur de la fin de cette phrase, mais ça va. Je me casse en courant par contre. Au revoir, madame. Merci pour l'outil. Calmez-vous. C'était pas vous. Une invitation à la toilette. J'ai pas l'habitude d'accepter ce genre d'invitation. Ça me fait peur. J'arrive. On va agrandir le trou dans le mur. Hop, let's go. Oh, c'est un petit peu de stress, hein. Je vais pas vous mentir quand même. C'est... J'essaye d'en rire, mais... Un peu tendu. Hein. Pas passer cet objet ici. Je fais ce que je veux. Bonjour. J'en pars ici, hein, mais c'est parce que j'ai pas trouvé la porte. Hein. Je suis désolée. Hein. J'espère que je vous ai pas réveillé. Ça surprend hein, la première fois, vous inquiétez pas. Bonjour. Ah, il y a personne. D'accord. Pas moyen de l'ouvrir. Moyen de l'ouvrir. Non? Oui, moyen. Viens à moi. Mais je me retrouve là où j'étais tout à l'heure. Chambre 321. Ah non. Donc de la chambre 323, je suis passée à la chambre 321. Pour ressortir dans le couloir. Et so... Tu sais, je devais trouver un truc là-dedans que j'ai pas trouvé. So... Oui, c'est ça. Désolée de vous avoir dérangé. Hein. Une bonne journée. Non, attends, j'ai un truc que j'ai pas vu. Non. Ah, si, j'ai un truc que j'ai pas vu. Comme une clé, par exemple. Très bien. Putain, j'ai bien fait d'aller voir. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Quoi? J'ai quand même des réflexes de gamer. Gamer avisé. Je trace, hein. Ah! Je trace encore plus! Non! Je vois rien! Ah, je sais plus où elle est, la salle de conférence, secours. Il y a un truc qui me course. Bonjour. Non. Ah, je sais plus où c'est. Mais comment? Mais, ah, comment je dois... Je sais où c'est, au secours. 305. Meeting room, yes, je l'ai. Oula, il y a des traces de pas dessus. Oula. Ah, j'arrive, attendez, je vous la porte. Ah. Voilà, je ferme. Non. Ouh, vous scintillez de mille feux, monsieur. Votre barbe, c'est un peu comme, comme canal quand c'est flouté. Ouais. Faut pas vous en faire pour ça, regardez, j'ai trouvé un remède. J'ai appelé la police, oui. Allez, le secours. Non. Et là, il n'y a plus la santé mentale, depuis que je suis dans l'hôpital. Non, il n'y a rien. Ah! Non. C'est pas ça. Vous devriez probablement utiliser la lampe torche qui est posée sur la table. Ah, oui, c'est vrai. C'est pas faux. Et ben voilà, nous avons enfin une fameuse lampe torche. Que nous réclamions à corps et à cri. Ça ne s'ouvre pas. Non. Interagir. Ah, il y a une clé. Magnifique. Tenez la clé. Oui. Aile de transit. D'accord. C'est toi l'aile de transit? Cette porte n'est pas verrouillée. Ah. Ah bah oui. Mais ils attendaient que je prenne la clé, c'est gentil. Je me casse! Exit.
C'est un si beau mot. Non, par exemple? Je peux me déguiser en infirmière? Oula. Radium? Radium? Oh là là. Fais plus jamais ça, lampe. Plus jamais. What? oui, j'aurais pu me trimballer avec une chaise. Prends Noé. On y va, on y va. Au secours. Au secours, exit. Smash the fuck out of your face! C'est pas très sympa de votre part, monsieur. Vous voulez pas qu'on fasse l'amitié? Bonjour. L'amitié, c'est joli parfois. Allez, je cours, moi. Vous êtes allé dans l'autre sens, donc moi je cours. Hein. Oh non, non, non. Non! Oh non, non, non. Non, c'est pas vrai, c'est pas moi. Non, parce qu'il se barre. Non, 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 c'est pas moi. Ça va faire mal aux pieds si je suis pieds nus. Arrête, hein. Je peux l'ouvrir, ça? C'est verrouillé. Oh. Oh. Ce n'est plus verrouillé. Exit, exit, exit. Ça pue de ouf. D'accord. Bon, c'est une sortie comme une autre, hein. C'est haut, hein. Mais il y a le fou derrière nous, donc... Moi, j'irais plutôt sur le petit... Vous voyez, sur le petit rebord, là. Sur le côté, qui a l'air quand même plus safe. Bonjour, monsieur. C'est pas très gentil, hein. Vous aviez un joli grain de poil, pourtant. J'ai honte, pour vous. Ah, ben voilà, dans la maison. Super. Ah, c'est le bordel. Ah, et la maison, vous trouviez que c'est le bordel avant? Bah, attendez de voir maintenant. Il y a foutu de l'huile partout. Après, si c'est du pétrole, on peut s'entendre. Parce que dans ce cas, ça vaut de la thune. Est-ce que j'ai ma fameuse lampe? Non, pas du tout. J'ai récupéré mon fidèle appareil photo. Je peux rien faire? Non. Mais c'est tout crado. Oh! Birk. Birkenstock. Oh, regarde-moi ça. Berk, mais c'est on dirait des intestins, monsieur. C'est pas très serein. Mais là, il y avait un couloir avant. Il n'y a plus le couloir. Ah, et là, c'est fermé en haut. Bon, bah. par défaut, on va aller là où il nous demande d'aller. Ah, vers le bas, super. J'adore ça. Il éteint tous les interrupteurs. Il n'y a plus d'interrupteurs. Ouais, les interrupteurs, ils ne marchent plus. Ah bonjour! Les yeux! C'est derrière moi. Elle est où? Ah! Mon doigt dans l'œil. Et bien celle-là, par exemple. Une autre porte avec un signe Oméga dessus. Il y a quelqu'un dans le congélo? Ah, ça mène à ça. Bonjour. Je pète le perce le bonbon, le bouton. Non, il s'en fiche. Il est partout! Bah, non. Je t'avais bien aimé ce tableau. Je sais pas, moi, quel qui est nécessaire. Je n'ai que celle-là, mon ami. Mon bon ami. Il faut rester serein. Toujours garder son sang-froid dans les situations les plus stressantes. C'est un pouvoir magique. On va aller là où c'est pas.
C'est mort. C'est bloqué. Ah, les interrupteurs, c'est mort. Okay. Toi, t'as pas de bouton. L'autre, il avait un bouton. Comment ça se fait? Quoi? Quoi, quoi, quoi? Ah, attends. Ça clignote par là. Faut que j'aille par là, du coup. Allez, bien sûr, vers la source de l'enfer. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Berk. Ah, c'est de là. Il met le doigt dans l'œil. Du coup, ça a dû ouvrir un truc. Ah, ça a enlevé un des deux yeux là, vous voyez. Il en manque toujours un. Il en manque toujours un. Est-ce qu'il faut suivre l'intestin? Toi, c'est trop bizarre ça. Ah, il me faut un marteau peut-être. Un marteau. Je croyais que c'était un bouton. Ah, il est là l'autre. Ah, ben voilà. Voilà, c'est tout. Bonjour. Il me faudra un marteau. La maison est encore plus sale qu'avant. Oui. Au moins, ouais. Bonjour. On est repassé en sépia, hein, pour ceux qui se demandent. Voilà. Quoi? Ah. Oh, bonjour, monsieur. Vous êtes bien parle. Ah, y'a plus de visage. Comme dans... Moi aussi, je croyais que c'était un bouton. Hello. Oui, on aurait dit un bouton... le clou, planté. Ah, mais on va aller à l'hôpital. Fuck. Quel sale rêve. C'est sûr, c'était... Désolée. Voilà, maintenant qu'on s'est réveillé, tout va bien. Évidemment. Il y a toujours du truc dégueu ou gluant, là. Tu vas pas m'attaquer, toi. Hein. C'est quoi? On va suivre la sortie. Ah. 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 Comment ça? Tu cherches une infirmière aussi? Quoi, quoi, quoi? Je te suis toi, j'imagine. Ah non, je peux pas. Eh! Ah si, je peux. Viens avec moi. Viens avec moi, on va faire des choses sympas. Ah! Ah! Oula! Ouh, ça me donne une légère. Comme dans I Am Legend. Bonjour. Vous attendez tous pour la poste? Moi aussi, hein. Ah ouais, non, d'accord, faut pas que je les touche. Okay. Ça fait un peu le... Comme dans Silent Hill, pour ceux qui l'ont vu. Ça rappelle beaucoup Silent Hill. On recommence. Alors, je sais pas s'il faut que j'aille dans cette direction, mais dans ce cas-là, il faut pas que je les touche. Ça va être dur. Ça va être très très dur. Et Silent Hill, il y a une scène tout à fait comme ça, avec des infirmières qui ont des turbans sur la tête. Et elle, c'est le son, je crois, qui en plus fait qu'elle bouge. Et du coup, et comme elles sont armées avec plein de trucs différents dans les mains, voilà, faut faire attention. Oui, rip, merci. On va réessayer. Mais franchement, on est allé loin hein, sans mourir et sans que je sois coincée comme une débile en me demandant où est-ce que je dois aller. Donc ça, c'est cool. Je pense qu'il faut pas passer par là. J'espère aussi. J'espère aussi, sinon ça va être trop compliqué. Hein. Je voulais me frayer un peu un chemin entre eux, tu vois, genre je vais à l'ascenseur, excusez-moi. Mais non. C'était pas le bon plan. Bonjour. Ah bah ils m'ont mis là, c'est gentil. Mais je vais pas là, hein. Vous restez là. Hein. Bah restez là. Hein. Enfin, ce qui me terrifierait, c'est qu'ils se retournent tous et qu'ils se mettent à courir. La lumière rouge de la sortie. Non. Oh
Oh non. Où est la clé? Ah, j'ai vu. Ah, elle est éteinte, super. Avec ampoule réparée. Ah, mais j'ai pas d'ampoule. Merde. Il y aurait une clé qui... que j'aurais loupée. Ah oh non. Pas une clé. J'ai pas envie d'aller les voir. Il faut que j'aille voir. Excusez-moi, hein. On me ferait un chemin. Pas sûr que ça marche comme ça la vie. Mais je pense qu'il y a un chemin quand même. On va essayer. Mais tout doucement. Non! Ah, je vais frôler le fion. Il y a l'air d'avoir un chemin quand même, Alicia, je sais pas. Je pense qu'il y a une clé au bout et que ça va être la merde. Et je pense que c'est une grosse référence puisque ce jeu a l'air extrêmement... ce jeu est plein, pardon, de références à des films d'horreur connus. On a eu du Shining, on a eu un peu de Paranormal Activity, on a eu du Mr. Babadook. Là, on a un petit peu de Silent Hill. Je pense que vraiment, ça a été fait par un cinéphile et je pense que ça doit être fait exprès. Mais il doit falloir être extrêmement prudent. On va faire par à-coup, hein. Ouais, hein, il faut traverser, je pense aussi. On va vraiment faire par micro-centimètre à chaque fois. Je stresse. En plus, ils sont tous en train de grogner, de... Ouais, je sais pas quoi, là, de geindre. Au secours. Oh là là. Puis c'est long, le chargement, hein, quand tu te rates. Hein. Calmez-vous tous, hein. Tu parles, moi je prends un extincteur, je me ferai un chemin, un coup de d'extincteur dans la tête. Hein. Non, mais madame, wesh, elle est fan, elle, c'est pas possible. Mais madame, elle est en Kevlar, cette dame, c'est pas possible. Elle, faut vraiment pas la toucher. Hein. Ah ouais, non mais c'est ça, hein, Alicia. Franchement, en vrai, j'irai beaucoup plus vite. Je sais pas si je m'en sortirai bien, mais j'irai plus vite. Aïe, aïe, aïe. Quel chapitre 2 de l'angoisse. Mais ça va quand même, on avance bien, je trouve. Vous vous rendez pas compte? Vous vous rendez pas trop compte en stream, mais je me crispe. Tu sais, quand je joue à des jeux vidéo, genre, t'as tout le haut du corps, là, le cou et le... Comme ça, et ça se crispe un peu en mode... Et du coup, après, je suis genre... Oh, j'ai plus d'épaules. Plus d'épaules et de cou. Alors, on va vraiment pas toucher la dame, là. Elle est folle, elle. Là, tu es folle, toi, madame. On va regarder, elle est par terre. Non! Mais non, mais là j'ai pas touché! Ah non, mais là monsieur l'arbitre! Non, mais là c'est pas normal, je l'ai pas touché là. Parce que si on doit pas se frayer un chemin à travers eux, pourquoi est-ce qu'ils me refoutent devant eux quand je réapparais, quoi? Ouais, hein, pareil Alicia, j'ai pas compris, hein. Non, je pense... Bon, écoute, on va voir. Je vais peut-être réexplorer un peu. Mais j'arrive même pas à voir, tu vois, si je me mets par terre, enfin, un petit peu à genoux. J'aimerais bien voir s'il y a une clé ou quoi à l'autre bout que j'ai pas pour rien.
Non, non, en plus, c'est toujours la même dame là qui m'emmerde. Une harceleuse. Oh là là, puis vu le temps de chargement à chaque fois. D'ailleurs, si vous souhaitez venir interagir avec nous sur le chat, n'hésitez pas. Ceux qui connaissent pas trop la chaîne, je vois rien. J'essaie de voir à travers leurs pieds là. Je peux me baisser? Non. Ah si. Peut-être si je me baisse, tu crois? Oula, les gens buguent. Regarde, ils disparaissent. Ah, du coup, il n'y a que elle qui vraiment est physique. Oh là là, j'ai réussi à la passer. Je regarde même pas. Hein. Oh là là. C'est dur là. C'est dur là. Hein. Chut, chut, chut. Y'a rien. Y'a rien du tout. J'ai fait tout ça pour rien. Ah si, une clé. Portant un symbole, un escalier. D'accord, super. Allez, j'y retourne. Hein. Au revoir, messieurs, dames. C'était un plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ah, lâchez un pouce bleu. N'hésitez pas à nous suivre sur les autres réseaux sociaux. Au revoir. Ah, au revoir. Oh là là. Crazy people! Alors attends, c'est quoi que j'ai eu avec un escalier dessus? C'est la sortie? C'est l'exit? Non? Ah! Ça va pas! Mes oreilles! Ah! Allez, voilà, super! Oh non, oh non, oh non! Pourquoi dans ce sens? Non! Non! Je suis coincée! Au secours! Ah bah j'allais dire, ce qui me ferait peur, c'est qu'il me court après, bah voilà. Et ben voilà! Super. Ah, ils arrivent. Super. Oh non, je suis coincée. Ils vont me niquer. Ok. Secours. Oh, ça va, la vie est dure pour lui. Une chaise arrive à le mettre en PLS. C'est dur. Hein. Et ouais. Ah non, il y a la chaise. Hein. Non, il m'a eu. Je savais pas dans quel sens il fallait que j'aille, je suis désolée. Ah, oh, c'est horrible! C'est exactement ce que j'ai dit qui me ferait flipper. Vraiment, ce jeu s'inspire de mes propres cauchemars, je pense. Ah non, j'étais coincée en fait, après si je repartais dans le temps, si c'était dans les couloirs. Comme des zombies. Et pourquoi ils me mettent face à l'autre couloir alors que moi j'ai envie de courir vers la sortie? C'est stressant! J'intériorise hein, pour vous, mais ça fait un peu peur. D'avoir des fous comme ça qui te courent après en rigolant, là. Oui, bien sûr. C'est parce qu'on a emprunté avec... Exactement. Ils sont pas partageurs, hein, c'est pas cool. Et puis j'étais hypnotisée par ce bel ascenseur. J'aurais pu rester un petit peu concentré et puis me laisser tranquille. C'est parti. Non! Ils veulent que je le refasse. Vous êtes sérieux? Pas cool. Ah bah. Ben. Je reste à quatre pattes, peut-être ils vont me laisser tranquille. Non, là ça a bugué encore. Non! Non! Ah! Ah, je suis partie du jeu! Au secours! Ah, je suis partie du jeu! Je suis où? Merde! Ouais.
ça dédramatise. Oh non! Faut reprendre. Aïe aïe aïe, c'était la panique de ouf. J'ai voulu ouvrir mon inventaire qui est sur tab, sauf que j'étais en train de courir, du coup ça a fait que ça a ouvert shift plus tab, c'est-à-dire le menu Steam de ces morts, pour pas dire autre chose. Et du coup, la panique. C'est les rats. Oh non, non, non. Mais ça me stresse en plus, j'aime pas les courses-poursuites, tout ça, c'est vraiment... Moi, course-poursuite, elle serait très vite arrêtée. Tu prends un extincteur, tu l'attends au coin d'un couloir, tu mets un gros coup, et là, tu t'enfuis, quoi. Bon, là, ils sont 15 000. Mais ça fait peur. C'est la grosse panique. Ah. Bon, en tout cas, je crois que c'est vraiment vers côté sortie qu'il faut que j'aille, hein, je crois. Bonjour, monsieur, dame. Alors, surtout, vous inquiétez pas pour moi, hein, je fais que passer... Dankeschön, bitteschön. Au revoir, le monde. Là, je cours, vous voyez quand je cours en fait, ça fait chier. Non. Et là, je lâche tout, je prends ça, j'ouvre. Oh, je me casse. Non, il me poursuit encore? Non, ça va. Bon, ça va, c'était pas trop long. C'était pas trop long, mais faut pas paniquer comme j'ai fait, en fait. D'accord. On va faire Stairs, le film qui est tiré du SCP. Non. D'accord. Je peux me trimballer avec une... Ça, je ne comprends pas, les développeurs... Pourquoi les objets qui ne servent à rien peuvent être certains interagibles et d'autres non? Merci. Me voilà. Tout va bien, j'aimerais rentrer à la maison, je viens juste chercher mes affaires. Non. Je peux appeler la police. Ils sont tous fous! J'aime pas quand il y a un truc de sauvegarde, ça veut dire que ça pue. Non, ça peut un peu tout le temps ici. Y'a rien. Toujours en réparation. Hein. D'accord. Ah, il semble y avoir un problème avec le détecteur de poids. Nous essaierons d'y remédier le plus tôt possible. Pour l'heure, les employés devront prendre l'escalier du sous-sol. Il y a un double des clés au bureau des admissions. Ah, le bureau des admissions, c'est où ça? Bon live, passez une agréable journée, des bisous. Merci Soul Titus, des gros bisous aussi à toi. N'hésitez pas à aller voir aussi la chaîne de Soul. Il est très gentil. Soul Titus. Titus, d'ailleurs, ça me rappelle Titus Poulot dans Rome. Un des meilleurs personnages, bien sûr. Alors, bureau d'administration. De l'administration. Non. Orthopédique. Ah, ça, orthopédique, on peut y aller. Hein. Hop, non. Ah! Ah bah ça semble être un peu indicateur de quelque chose ici. Ah, bureau des admissions, ça a l'air d'être là. Bonjour. Erk. Follow-up of patient number 9 on request from Smith Walter. Patient name, Raken Almutala. Ah, Raken. Male, age 28. After Raken's first evaluation, it is safe to say that he'll be staying here. I was able to get him to talk about his paranoia. The patient believes that the whole scenario has been organized by some evil corporation in order to brainwash him into subjugation. He believes his mental capacity and awareness prevented them from getting to him. Adding to the severity of his case, he is sometimes afflicted with hallucinations.
He has described these hallucinations to me as an eyeless humanoid that keeps on watching him wherever he is. Due to his psychotic behavior and his difficulty differentiating reality from paranoiac fabrication, he has been transferred to the psychiatric wing. He also displays violent behavior towards the staff, is considered to be dangerous, should be sedated and under constant surveillance in the psychiatric ward. En gros, donc, elle nous a dit qu'on avait reçu donc, un nouveau patient qui s'appelait Rakan. Donc, c'est celui qu'on avait vu dans sa maison, vous savez, en train d'essayer de trouver des micros partout et tout. Et il nous a dit que donc, non seulement il délirait complètement, il avait des hallucinations, et dans cette hallucination, il se voyait poursuivi par un homme. Ah, bonjour. Il se voyait poursuivi par un homme. Et du coup, Lana disait qu'il doit être dans l'aile psychiatrique. Sous constante surveillance, tout le temps sous sédatif et tout parce qu'il est violent et tout. Enfin, voilà, classique, classico-classique. Bonjour. J'ai pas trouvé les clés dont il parlait. Ça parlait de clés dans. Cette pièce, mais je n'ai pas trouvé. Bureau des ammunitions. Comme je suis pas très douée pour trouver les clés, je me dis, j'ai peut-être mal regardé. Non. Arthur, non. Il n'y a pas de clés ici. Hein. Là, je peux pas y aller. Ok. Mm-hmm. Ça pue du fiac, hein, comme on dit personne. Ah, super, c'est par là. C'est ici? Oui, c'est ici. Yes! Est-ce qu'il est sous le... Yes! Je vais me barrer. Non, je me barre de cet enfer, moi. Ah putain, il me suit en plus. Il me dégage. Ah, c'est chaud. Il y a une canne en plus. Mais... Et là, c'est... Maintenant, c'est un fast-food hôpital... Ok. Merci, merci Alice, à tout de suite. Ah, d'accord, on va de l'autre côté de l'hôpital, ok. Ok, ok. Ça doit être l'aile psychiatrique du coup. Ah oui. Ah oui, il est là. Oh putain. Mais attendez monsieur, calmez-vous hein. Vous allez vous faire mal à la hanche. Ça arrive. Je connais pas cette aile en plus. What? Dégage. Je vais le perdre. Je vais le perdre. N'inquiétez pas. Comment ouvrir ça? Ça marche pas? Non. Ça, comme il est lent, je peux tester 2-3 trucs avant qu'il arrive. Escalier du sous-sol, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça? C'est ça.
Quoi? Bonjour. Ah, c'est pas cool. Tout de suite, la violence. Incroyable. C'est même pas le week-end. Incroyable. Escalier du sous-sol. Oh, je sais pas où c'est, mais là il y a un escalier. Ah. J'aime pas quand c'est comme ça que je suis poursuivie. Il y en a trop. Ça fait peur. Bon là ça va, ça fait moins peur parce que c'est un humain et il a juste une jambe un peu faible. Mais il va vite hein. Allez. Je sais pas où ça va me remettre aussi. Oh là là, pas trop loin, pas trop loin. Cet idiot, je m'en vais, ça va, je m'en vais. Oh, c'est un peu Outlast. Après, il me suit, hein. C'est mon stalker. Mon stalker avec une canne. Hein. Ah, il est là. Putain, saloperie. Vite! Ah, il va pas vite, hein, par contre, mon perso, au secours. Exit. Aucune clé, une sélection. Ta mère. Je sais pas où il faut que j'aille, moi. C'est quoi ça? Bah oui, mais... Ah, j'ai réussi. Oula. Oh, j'ai réussi. C'était bien là. Quoi? Quoi? Vous avez vu? C'est-à-dire que j'ai eu l'animation visuelle que j'avais réussi, et j'ai eu le son de j'ai perdu, je crois. Donne-moi tous les outils du monde, là. J'ai cru que ça allait me faire perdre. Pas ça. Hein. C'est quoi là cette vision de chacal? Pourquoi je vois flou? Ah, je suis peut-être myope. J'ai perdu mes lunettes. J'ai cassé mes lunettes. Il y a des trucs là-dedans. Rallume-toi. Pas le fou. Pas mal d'ouvrir. On dirait que je suis myope. C'est trop bizarre. Je suis pas myope, moi. Non. Rien ne dit qu'elle fait ouvrir. Non. C'est quoi ces trucs? C'est un enfer! C'est quoi ces bruits? Thank you.
écoutez, continuez la lessive, hein, je sais pas. Comment on fait pour éteindre? Je sais pas du tout. Je sais pas, c'est d'en couper tout le courant, mais j'ai pas envie quoi. Pas du tout. Ah, un briquet qui flotte dans les airs. Merci. Je l'entends partout la machine à laver, elle est dans mon subconscient quoi. Interagir avec ça? Je ne vois pas moi. C'est pas moi. Si jette une chaise sur la machine à laver, ça marche. Je sais pas du tout. Coucou Oiseau Bruit, ça va? C'est cool de passer, je ne sais toi. Je sais pas, ils me disent que je dois arrêter la machine à laver, mais je ne vois pas comment. Ah, le bruit me rend ouf. Je m'éloigne, je fais plus de bruit. Je sais pas du tout quoi faire pour l'arrêter. Je sais pas, je me remets dans le fauteuil. Je me laisse emporter par les aventures. Pourquoi je suis aveugle? Peut-être faut que je coupe des fils. Je sais pas, j'ai pas trouvé d'outils. Ce truc ouvert, y a rien quoi. Pourquoi j'entends un truc ici? C'est bizarre. Attends. Je peux pas enlever mon... Ah voilà. Pas de bouger là. J'ai l'impression qu'il me bloque un... Que ça me bloque un passage. Ah, une clé! Ah bah c'est bien, merci. Clé, salle de contrôle. What? Wow, faut pas faire ça.
Oh là là, le truc qui s'est ouvert. Non. Je peux plus aller là-bas. On ne peut pas sauter. Je suis clouée au sol. D'accord. Ah, c'est ça qui s'est ouvert. Ah, c'est fort sympathique, bien sûr. On peut couper l'eau? Non. C'est quoi cette pièce? C'est quoi cette pièce de l'enfer? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Coucou, re Alicia. Alors, j'ai trouvé une clé. Une clé de la salle de contrôle. De toute façon, je peux utiliser ma clé sur toutes les portes, ça va être long. Oh là là. Pas moyen d'ouvrir. Pas moyen. Pas moyen. Bonjour. Control room. Oh, control room. Laissez-moi rentrer. Je veux contrôler. Alors là, il y a des machines à laver. Ok. Et où le control room? Ici? C'est quoi ce bordel? Ok. On a dû éteindre la machine. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la machine? La question que l'on se pose tous. Je sais plus où elle est. Ah! Ça a pas? On lance pas des gens là! Oh mais oh! N'importe quoi! Après moi je sursaute, je suis surprise, évidemment. Alors du coup ça fait plus tchaka 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 et je sais plus où c'est. Quoi? Ma lampe torche, ça marche plus? Putain. Fais pas des frères comme ça. Hein. C'était où déjà? Je ne sais plus. Le monstre qui donne le vent en train de galérer. Genre. Mais non, c'est pas par là. Des traces. Tu peux passer par là? Merci pour le resub, Wall the Bruce, c'est adorable. Merci beaucoup. Très gentil à toi. Faites des gros bisous à Wall the Bruce dans le chat. Gros bisous. Alors, je pense que ici j'en ai fini, hein, quand même. J'ai fini avec toutes ces bêtises. Là, ils ont lancé un monsieur. Voilà. Et là, je peux pas y aller. Je peux pas y aller. Quoi? Là, c'est fermé. Là, c'est fermé. Là, c'est fermé. Là, c'est fermé. Fermé. Je sais plus où c'est. Là, avec le son, c'était pratique pour se repérer. Là. Là, là, là. 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 Non. Mais c'est un truc de ouf. Je ne retrouve plus mon chemin. Là non. Là non. Là non. Non comprendo.
Que me veux-tu? Quel est ton secret? T'imagines le fantôme qui est en train de me regarder jouer, qui est en train de fermer. Mais elle a vraiment aucune, aucun sens d'orientation. Oui, fantôme. C'est la même touche pour interagir que pour allumer la lampe, c'est pratique. Un vecteur magnétique pourrait peut-être forcer l'ouverture. Ah, c'était par là. Non, pas moyen d'ouvrir. Ah, c'est ouvert. Bonjour. Ah, la machine, c'est par là. La machine, c'était tout au bout là-bas. Oh, tout au fond. Voilà. La la la. La la. La la la. Oh, une carte d'identité. Ouvre. C'est l'enfer. Ah, Kyle Schaffer, janitor, en 78. Très bien. Eh ben j'ai la carte magnétique, ça. Ça, ça t'appelle du GG. Et du coup, carte magnétique que nous venons de voir. C'est déjà plus où c'est. Pour être complètement franche avec vous, c'est déjà plus où c'est. Carte magnétique, carte magnétique. Carte magnétique, c'était par là. C'est là. Non, c'est pas là. C'est... Là! Oui, c'est là. Oh, oh là. Berk, mais dégagez! Vous prenez toute la place! Interagir? Ah oui, je peux interagir avec vous. Bah attends, dégage. Quoi? Mais non, laisse-moi partir. Oh, j'interagis, hein. Mais... Mais... Un scandale un peu les armes de vue qu'on a là. C'est vrai que les mots de fouet, vous les mettez bien. Alors, je crois pas que j'ai le temps de vider l'ascenseur de tous ses occupants. On va juste tracer. Mais en effet, maintenant, il y a les émotes followers. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne, n'hésitez pas à follow. Ça me permet comme ça de le passer. Pendant le chargement. La violence. Oui, c'est un petit peu violent. Le monsieur, là, la canne, il m'aime pas. Je sais pas ce que je lui ai fait, mais... C'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, on va sûrement live aussi ce soir. Alors, c'est comme vous voulez. Soit on peut continuer visage, soit on peut faire autre chose. Et j'ai reçu notamment un jeu de pêche. Ça peut être cool de se faire une petite soirée pêche, si ça vous dit. Ça a l'air d'être tout mignon, vous savez, un peu cartoon et tout. Ah, ok, on reprend là. J'ai la clé, ok. 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 Secours ? Parfois, dans les angles, les objets, ils se coincent et tout, et ça fait peur. Alors, c'est par là. Il y a mon stalker, là, qui continue. C'est par là. Cours, bon sang de bois. T'es poursuivi par un mec qui a une canne et t'arrives pas à te faire à distancer. C'est quand même honteux. Boum. Boum! Laissez-moi rentrer et je me casse. J'en ai rien à foutre. J'interagis, mais j'interagis fortement. Je sais pas moi. Okay. Vous voyez, j'appuie sur tout. Hein. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir.
laisse-moi partir. Il est pas là, monsieur. Oui, bah va-t'en, toi. Ça va pas? Va-t'en, Joël. Dégage. Ah! Non, dégage. Ça veut pas? Ça veut pas? Putain, il marche pas l'ascenseur! Oh là là! Je veux bien voir le jeu de pêche, oui. Ce sera un petit peu plus calme ce soir sur le jeu de pêche, je pense. Ce sera beaucoup plus chill. On va juste lui faire faire le grand tour. Hein. Il est parti. T'es où, Joël? Joël, ma belle. Attends, attends. Là, j'interagis, ça marche. Là, j'interagis, ça ne marche plus. Et il dab. Il dab à l'envers. Très fort. Let's go. Non? Ok, il faut que je les enlève tous? Ah oui, c'est parce qu'ils sont trop lourds. C'est pour ça que ça marchait pas. Ah, excusez-moi, faut que je fasse un plus 1. Dégage, vous faites bugger l'ascenseur là, toi et tes copains là. Ouais, 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 faites les malins. C'est pour ça que ça marchait, que ça marquait que le poids était trop gros. Ben oui, ben bien sûr, mais Gérard, t'as cru quoi là? Ah là là. C'est vous tous là qui nous mettez dans l'embarras, et après il y a Joël qui veut me tuer avec sa canne là. Et c'est l'enfer. Bien. Bien. Bon là ça va, on serait trois en vrai. J'espère que l'ascenseur il marche. Il y en a un qui est en power position là. Waouh. Ce galbe. Incroyable. Viens avec moi. D'accord, c'était donc ça. Faut bien que je les vide. Dégage. Non, 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 dégage. 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 Ça, ça doit marcher là. Non. Non, j'ai tout fait, non! Là, je crois qu'il y a de l'électricité, ma belle, parce qu'il y a la lumière et tout. Et puis l'ascenseur s'est ouvert. Donc normalement, ça devrait marcher. Pourquoi? Copain, oui. C'est ça. Ça va, Redarmi? On va y arriver, hein. Je vous promets qu'on va y arriver. Je voudrais qu'on finisse ce chapitre, quand même, incroyable. Après, ils sont longs, hein. Les chapitres, c'est vrai que j'avais peut-être sous-estimé à quel point ils seraient longs. Mais on avance bien, je trouve, franchement, on avance bien. Même presque mieux que dans l'autre. Dans l'autre, il était assez labyrinthique, je me souviens avoir tourné pas mal de fois. Là, je trouve que ça va, c'est un petit peu plus naturel. C'est juste que c'est dur. C'est dur et ça fait peur. Ah, on recommence là, super. Super. Donc il faut vraiment bien, je pense, le semer l'autre. Hein. C'est vraiment ça la strat. Hein. On réessaye. Avec Roger, Bernard et tout le monde là qui se sont entassés. Ils cassent les reins. Hein. Allez, let's go. Voilà. Il y a Gérard qui va arriver, tu vas voir. Oh! Non, 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 je me casse. Dès que j'entends sa canne, je me casse! Non, non, non. Fais pas ça, hein. Il s'en va. Qu'est-ce qu'il fait? Il est perdu. Il est totalement déstabilisé. Il ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? C'est compliqué, hein? D'ailleurs, j'ai deux nouveaux emplacements pour les émotes de sub. Faut que je fasse ça. Ah, c'est cool, ça. C'est toujours sympa de faire des émotes de sub. Vraiment tous les enlever là à la Hitman. Oh,
pas vous mentir, qu'est-ce qui vous a pris là? Vous vous entassez là-dedans là. Vous croyez malin? Ah, il y a Joël qui vient me péter la gueule. Hein. Ah, tu restes là. Quoi? Arrête, hein. Pas la canne, hein. Voilà, magnifique. Je peux pas interagir, hein, et... Ok, c'est bon, ils sont tous sortis. Ah ok, tout à l'heure, je pense qu'il y en avait un qui devait traîner un peu sur la porte et c'était pas cool. Ok, ça marche. J'attends d'avoir le droit, mais c'est trop loin. C'est trop bien, 50 places pour tout le monde. Bah, tout le monde qui suit, en effet. Alors, encore l'hôpital. À quoi m'attendre? Ah bonjour! Ah on est sérieux! Ah oui d'accord! Ça vous embête pas, hein, je vais. Bonjour! Bonjour! Quelle souplesse! Magnifique! Magnifique! Fuck you, Dwayne! What? 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 Non, Dwayne! Pas moi! Pas moi, pas moi, pas moi, pas moi. Un truc par terre? Laisse-moi partir. Eh, il est là-bas. Tranquille. Oh là là. Oh là là, il y en a plein. Oh là là. Oh là là. Je sais pas où il faut que j'aille. Oh là, quel enfer. Putain. Il y a l'exit et il est devant, bien sûr, ce connard. Ah, il revient, putain. Ah, super. Ah, super. Ouais, super. Ah, super. Ah, bah, je suis coincé, super. Ah, laissez-moi partir. Juste l'enfer en fait. D'accord, un placard, super. Non, laissez-moi partir, je vous en supplie. Au secours, sa mère. Là, exit. Oh, exit, exit, exit. Oh là là, par pitié, laissez-moi tranquille. Oh, je me couche, hein. Allez, bonne nuit tout le monde, hein. Oh là là. Oui, oui, bah. Bah, je suis coincée. Bah c'est pas grave, franchement je peux être loin de ces malades mentaux là. Y'a pas de problème. Y'a pas d'interrupteur pour allumer les lampes dans toute la pièce. D'accord. Faut que je fasse un truc avec le miroir. Faut que je me couche. Mmh. On va dodo, hein, dans le doute. Qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre le feu au lit, hein. Vous me laissez pas sortir. Ah, ah, bonjour. Ah, super. Ah, super. Génial, des yeux. D'accord, je peux aller au lit maintenant?
maintenant, je sais pas. Ah, bonjour. On fait rien, les gars ? Ok. Ils ont quand même des petits boxeurs, c'est mignon. Oui. Attends, c'est pas parce qu'on est tout nu et malade que on est obligé de se trimballer sans vêtements. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. Allô ? Ah ! Ah, je suis quelque part. Ah ! Bonjour. J'ai un inventaire ? Non, j'ai pas d'inventaire. Oh là là, les textures sont horribles. Ah si, j'ai un inventaire. On va suivre le gros intestin. Hein. Ok. Ok. Ah super. Quoi, arrête. C'est de l'acharnement. Hein. C'est de l'acharnement. Il sort d'où lui? Oui, c'est ça en plus. On l'a pas entendu arriver avec sa canne pourtant. Et je sais pas du tout où il faut que j'aille. Je vois que le balcon est un peu pété. Il y a des yeux dans la porte juste devant. What the freak? What is the freak? D'ailleurs, il y a mon test sur visage qui arrive bientôt. Ne vous inquiétez pas. Je pourrais vous dire tout ce que je sais et tout ce que j'ai aimé. Allons-y, let's go. Super Chill Zombie. Let's go. Alors, ah non, vous m'en mettez là, mais vous êtes pas cool. Là, après du coup, on se retape le miroir, il y a les yeux. Ah oui, là, les yeux, ils sont là. Vous voyez? Il y en a, ils sont là. Et après, ils font Bolosman. Bouger. Au secours. Il ne peut plus bouger. Enfin, mais lui il me saoule là, donc j'ai pas trop pitié de lui parce qu'il me saoule. Et là on revient à la maison et je vais sauvegarder parce que j'ai pas envie de me taper ça en boucle. Ah, je suis là, pardon. On s'est regardé là. Voilà. Ok, donc on revient ici avec le gros intestin. Merde, il est où? Il est où mon briquet? Ok. Ok, et après j'ai pas trop compris ce qu'il fallait que je fasse en haut. Arrête hein. C'est pas ça? Non, c'est pas ça? Bah!
qui me regarde en haut. Oh. Bon, je crois que je vais faire une petite pause parce que ça reste quand même assez assez prenant, on va dire, comme stream. J'ai un peu la tête en vrac. Les sons, vous voyez, le stress et tout ça. Devoir trouver quelle porte aussi, c'est tout ça. Ah, du coup, ils ont changé. Avant, c'était le chapitre de Lucie. Du coup, on avait la une ballerine de d'enfant qui était là. Et maintenant, c'est le chapitre de l'autre. Donc, on a ça. C'est sympa. Faut peut-être continuer à suivre le gros intestin. Bah, peut-être, ouais, t'as vu, il a l'air de traverser le salon et tout. Mais je sais pas si je peux me jeter. Bah, écoute, on testera la prochaine fois en tout cas. Moi, j'aime toujours autant ce jeu. Il est très très cool. Je vais réessayer des raids, mais encore une fois, je crois que c'est en bug total. Je crois que c'est en bug. Mais après, il y a FreeNexty qui est en live, qui va peut-être prochainement être aussi sur jeu.video. Donc n'hésitez pas au pire à aller la voir, elle est sur Warframe. On va essayer de la raid. On va essayer de la raid, mais comme pour ceux qui me suivent, là, vous le savez, j'ai... Je sais pas pourquoi mes raids ne marchent plus. Ouais, voilà, raid de chaîne, cible impossible. Je sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Ce soir, on se retrouve sûrement sur le petit jeu de pêche, tranquille ou bilou, un peu chill ce soir, pour un peu sortir les esprits. Ce bug même après le stream manager, oui. Tout à fait. Donc il va falloir que j'aille voir un petit peu ce qui se passe. En tout cas, merci d'avoir été là. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir flippé avec moi et de m'aider et de me soutenir dans cette épreuve. Je vous fais des gros bisous pour continuer le chapitre très vite. À bientôt.